Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Docteur Shajid Saïd, donc je suis le directeur général adjoint du service du département pédagogie au sein de Medicast, qui est un groupe qui représente bien sûr un pôle santé, mais aussi un pôle d'enseignement supérieur. Ce pôle d'enseignement supérieur est composé de 3 écoles essentiellement. Vous avez une école qui est à Agadir, vous avez une école qui est à Casablanca et une école à Marrakech. Aujourd'hui, nous sommes au forum justement de l'étudiant qui nous permet de présenter un petit peu notre savoir-faire et présenter notamment la possibilité, les ouvertures que nous offrons à nos étudiants. Et ces étudiants peuvent avoir face à eux justement une ouverture vers les métiers de la santé, notamment paramédicaux, comme la kinésithérapie, la diététique, la psychomotricité, l'orthopsie, l'infirmerie et l'infirmerie anesthésiste également. J'espère que je n'ai pas oublié de filières. Et ces filières vont pouvoir ouvrir les personnes pour 3 ans d'études pour atteindre la licence. Et ensuite, ils peuvent aller décoller vers le master s'ils veulent aller au-delà du strict minimum. Donc la licence leur permet d'avoir le diplôme qui leur ouvre la possibilité, sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé, qui leur permettra justement de travailler dans différents établissements de santé, mais aussi d'ouvrir leur cabinet au bout de 3 ans, ce qui est quand même quelque chose de particulier. L'ouverture de ce cabinet peut être accompagnée par l'IHEPS notamment et les orienter dans leurs décisions. Donc il y a tout un dossier à faire, ils demandent l'autorisation au ministère. Le ministère, sachant que l'école est autorisée, accréditée, et donne tout de suite l'autorisation aux lauréats, à nos lauréats pour pouvoir ouvrir leur cabinet et leur permettre justement de travailler, recevoir des patients qui peuvent très bien bénéficier du savoir-faire de nos futurs lauréats. Donc la possibilité est la licence. En 3 ans, la personne peut avoir son cabinet, peut ouvrir son cabinet, peut être un professionnel de la santé, mais il peut évoluer vers d'autres horizons, notamment l'enseignement des professionnels, des professions de la santé, notamment au sein de nos écoles. Il peut aller vers un master notamment de management des établissements de santé et du digital, mais aussi de la kinésithérapie, des différentes filières, de la neuroscience, de l'orthophonie, un master dans différents domaines. Ce master leur permet justement de manager et d'être chef de service au niveau de la réadaptation, la réhabilitation. Il peut très bien se présenter au doctorat, il peut très bien enseigner dans des écoles de l'enseignement supérieur et il peut également aller se pourvoir notamment au niveau de la recherche scientifique qui va se faire dans des centres bien spécialisés dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'au Maroc, nous sommes très déficitaires dans le domaine des paramédicaux, aussi bien dans toutes ces matières, toutes ces filières qui regroupent la réhabilitation au Maroc. La réhabilitation est vraiment très pauvre au Maroc pour l'instant, parce que nous avons besoin de ces professionnels de la santé. Il faut savoir que la rééducation et la réhabilitation se développent à une grande vitesse actuellement. Et nous avons des établissements qui sortent de sol dans tout le Maroc. Et nous voyons très bien autour de Casablanca, la plupart des cliniques mettent en place des services de rééducation. Et je ne parle pas des différences sans citer de noms de cliniques. Nous ouvrons bien sûr la partie rééducation dans nos cliniques également, dans le pôle santé. Donc la rééducation va se faire notamment au travers de ces services-là, qui veut dire qu'on a besoin non seulement des bac plus 3, des licenciés de nos lauréats qui vont exercer leur métier, la filière, mais également des cadres de santé qui vont avoir un master. C'est des personnes qui vont manager justement tous ces professionnels dans ces services-là. Ces cadres de santé vont pouvoir manager effectivement leur équipe, mais ils peuvent manager différentes équipes de différentes professions et être cadre de santé, chef de service, notamment d'un plateau de réadaptation qui peut se faire dans différents établissements, des cliniques, des centres de rééducation, etc. Maintenant, au niveau du master, le master va pouvoir ouvrir notamment vers le doctorat. Il faut savoir que le doctorat est très peu existant au Maroc. On a très peu de docteurs en kinésithérapie, on n'en a pas du tout en orthophonie, on n'en a pas du tout en orthopsie, en infirmerie, on a quelques-uns en nutrition, il y en a quelques-uns, etc. Mais ce n'est pas suffisant.
Donc pour pouvoir répondre aux besoins du Maroc, nous avons besoin de diriger et d'orienter notamment nos futurs lauréats vers le master d'abord et ensuite vers le doctorat qui peut se faire dans différents pays ou bien au Maroc, sans aucun problème. Donc j'espère que j'ai fait le tour de la profession et des établissements de l'IHEPS. Nous sommes aujourd'hui dans un forum de l'étudiant qui est assez connu nationalement et nous représentons, et vous voyez bien qu'il y a beaucoup de demandes et nous essayons de répondre aux besoins de ces jeunes qui veulent s'orienter. Un dernier point, c'est que tous nos étudiants doivent absolument avoir un bac scientifique pour pouvoir s'inscrire aussi bien à Casablanca, à Marrakech ou bien à Agadir pour pouvoir continuer et exercer un métier tel que celui-là qui est assez facile dans le sens où en 3 ans nous pouvons ouvrir un cabinet, mais c'est un métier, des professions qui sont tout à fait honorables et qui nous permettent justement d'être des professionnels de la santé et de pouvoir s'épanouir dans ce genre de domaine. Voilà, je vous remercie. Merci.